Alors qu'elle devait initialement commencer le 23 juin dernier, la date de début des soldes d'été avait repoussé au 30 juin suite à une décision du gouvernement en mai dernier. Une façon pour les commerçants de profiter du rebond de la consommation des Français après plusieurs mois de fermeture suite aux confinements successifs et restrictions dues au couvre-feu. La période de rabais prendra fin le 28 juillet prochain pour durer un total de 4 semaines, comme l'encadre la loi Pacte. L'édition d'hiver 2020 avait été la première à mettre en place cette nouvelle fourche de temps contre 6 semaines auparavant. Alors qu'elle devait initialement commencer le 23 juin dernier, la date de début des soldes d'été avait été repoussée au 30 juin suite à une décision du gouvernement prise en mai dernier. Une façon pour les commerçants de profiter du rebond de la consommation des Français après plusieurs mois de fermeture suite aux confinements successifs et aux restrictions dues au couvre-feu. La période de rabais prendra fin le 28 juillet prochain pour durer un total de 4 semaines. Comme l'encadre la loi Pacte, l'édition d'hiver 2020 avait été la première à mettre en place cette nouvelle fourchette de temps, contre 6 semaines auparavant. Bonjour à tous, alors je m'appelle Diana, j'ai 20 ans, je vis en France et voici ma première séance de féminisation vocale avec Mariella. Dans la vie, j'adore, mes passions du coup, c'est la danse, la nourriture parce que j'aime beaucoup manger, la danse, la nourriture, l'esthétisme, l'art et voilà, c'est à peu près, c'est ce qui me définit bien, on va dire. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Diana. Je suis actuellement à ma 7e séance de féminisation vocale avec Mariella. Et pour ce qui est de ma voix, alors je suis très contente des changements que ça a eu dans la vie de tous les jours. Quand je suis au téléphone ou quand je parle avec des inconnus, il n'y a plus du tout une dysphorie au niveau de ma voix. Donc, je suis très à l'aise avec. Que ce soit de tenir toute la journée, de parler avec des inconnus, etc.